j'ai du retard. Non, non, je ne suis pas en retard. Il n'est pas encore 7 heures. L'enregistrement est lancé, voyons. Faut pas paniquer comme ça. Bien. Salut. Bonjour. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau titre. Dans ce nouveau let's play. J'ai seulement un wagon de retard. C'est pas grand chose. Ah, c'est pas grand chose. Découverte, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Découverte en ce jour de ce titre. Alors oui, Requiem est sorti et tout le monde l'a déjà fait. Bah écoutez, moi, je ne connais pas encore ce titre. Alors, je m'en vais corriger cette vidéo, tout simplement. J'ai que d'excellents retours, compliments, éloges, louanges, et j'en passe concernant ce jeu. Donc je suis content de partager, et j'y tenais à découvrir absolument cette histoire ici avec vous. L'innocent conte de la peste. A Plague Tale Innocence. Et bien du coup, ce jeu va me faire par la même occasion découvrir leur créateur, hein, que je ne connais pas également. Car il s'agit du studio de développement français Asobo. Voilà. Depuis la sortie de ce jeu, il y a plus de 3 ans maintenant, si je dis pas de bêtises, mai 2019, hein, sur, qui était sorti sur PS4 et Xbox One, je suis d'autant plus de bonne humeur, hein, car voyez-vous, voici qu'arrive devant vos yeux ébahis, en même temps, deux concerts ici dans cet arrivage de Plague Tale Innocence sur la chaîne, le débarquement de la Xbox Series X, mesdames et messieurs. Une novation. Des applaudissements s'imposent. Une hola, faites la hola comme dans les stades, de votre côté, derrière votre écran. Voilà. Donc sur le boîtier du jeu, il y a écrit 4K Ultra HD HDR et tutti quanti. La connexion sera-t-elle à la hauteur? Vous allez le découvrir d'ici peu de temps. Lol. Grand événement en ce jour, mesdames et messieurs. Glorieux, prestigieux, retentissant, mémorable. La Xbox Series, A Plague Tale Innocence, une coalition américano-francophone, c'est héroïque. Non, plus sérieusement, je suis bien heureux aujourd'hui, à force de patience, de travail, j'ai pu arriver ici aujourd'hui pour mettre en avant à mon tour, bien déjà d'une part, la dernière technologie en date en ce qui concerne à Microsoft, hein, de sa dernière console de salon, qui est la Xbox Series, enfin, qui arrive tardivement, mais que voulez-vous, hein, il y a toujours ces histoires de pénurie, donc, et mon choix s'est porté vers Microsoft, pour plusieurs raisons que j'évoquerai pas ici. Si, je vais en invoquer une quand même, malgré ma modestie et mon côté humble, je vais quand même dire que, pour ma part, Sony s'oriente vers une politique qui va pas me convenir, enfin, qui me convient de moins en moins, disons, vers cette histoire de dématérialisation et de prix de leurs accessoires, de leurs outils, qui sont de plus en plus déconcertants, je trouve. Je sais pas vers quoi ils se tournent, vers quoi... où ils vont, Sony, là, avec leur histoire de manette DualSense qui atteint des prix enfin exubérants, et puis ces histoires d'orientation vers le non physique, moi ça me plaît pas trop. Je fais partie des gens
justement, qui est ancré dans l'univers du jeu vidéo depuis longtemps. Et pour ma part, cet aspect de dématérialisation, à mon avis, c'est pas une chose, comment dire, qui à 100% est une bonne idée. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Enfin bon, l'avenir nous le dira. Mais cela dit, moi, voyez, ils ont perdu un client. J'ai pris à Microsoft. Bref, donc. En plus de la Xbox Series, arrive avec un titre célèbre, donc de ce Plague Tale Innocence, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, puisque du coup il a vu son portage en été 2021, du coup, hein, sur cette plateforme, et ainsi que sur PS5. Donc je me dis, l'un dans l'autre, il y a un wagon de retard, mais. Ça va encore, il n'y a pas très longtemps, c'est. En fait, je suis pas trop en retard quand même. Voilà. Donc avant de commencer ce jeu, je souhaiterais rajouter et souligner qu'est-ce que nous avons ici devant les yeux. Ça avait fait une très bonne sortie, une très bonne impression. Puisque peu de temps après, il fut récompensé par le Pégase du meilleur jeu vidéo français de l'année. Donc vos applaudissements s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, nous allons... Alors, j'ai fait les pré-réglages hier soir pour la session de ce matin. N'hésitez pas à me dire en commentaire au niveau du son comment ça se trouve. Moi, je me suis dit que pour cette session de découverte, le premier épisode, comme d'habitude, je vais rester sur le format de 2 heures. Et... cette nouvelle partie, pour cette nouvelle aventure, ce nouveau let's play sur la chaîne. Donc, le OBS, c'est bon. Tout est bien dans la machine qui ronronne. Houston, le micro, le chronomètre, ok, la manette ici. Alors, oui, chose que je remarque par contre également, qui m'a surpris lors de la... De mon unboxing personnel de mon côté de cette Xbox Series, c'est que la manette à quelque chose près est vraiment similaire en tout point avec sa avec son prédécesseur, donc le paddle de la Xbox One. En revanche, ils ont changé les embranchements de connectique, donc ça c'est pareil, ça Je vais pas épiloguer là-dessus, parce que bon, nous sommes dans une ère où il faut faire de l'argent, même d'une console à un autre, chez un même constructeur. Ça devient pénible, il faut acheter un câble exprès pour la manette Xbox One, et il faut un câble exprès pour la manette Xbox Series X. Non mais, moi je suis désolé, mais c'est triste quand même. C'est triste. Cette industrie, plus ça va, plus c'est triste. Je suis désolé. On a des jeux, des accessoires, des câbles, des machins, de partout, dans tous les sens. Putain, ils pouvaient pas faire le même, la même broche entre la Xbox One et la Xbox Series X. Non, c'est pas possible. Enfin bref, on va pas s'énerver. Non, on va pas s'énerver dans cette découverte comme ça. C'est pas très bien. Allez, on y va. Pour cette première, donc... expérience de ce jeu là, on va rester avec les paramètres standards. J'ai fait mes tests hier soir, bon j'ai joué quelques minutes au jeu, vous allez voir ce qu'il en est. On va rester en barre de son, haut-parleur stéréo et pré-réglage du HUD standard, parce que je n'ai pas envie de sombrer dans la difficulté dans cette découverte, ça peut nuire à l'expérience du jeu, de la satisfaction du premier contact. Et là, par contre, le mode d'écoute, l'expérience de jeu normale avec tous les indicateurs et éléments d'interface d'affichés, ouais, ou non, à choisir sur l'écran. Donc ça, par contre, ça peut être sympa. Mais je me dis qu'on va rester en classique. Voilà.
comme ça que tu suivras les hommes à la chasse. C'est la seule ambition que vous ayez pour moi ? Suivre les hommes ? Moi, je les battrai à la course et ils mangeront ma poussière. Mais pour ça, il me faudrait un bon cheval. Depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade. Mais pourquoi ici ? Pour l'arbre. Quel arbre ? Le pommier, père. Je veux passer de nouveau l'épreuve d'adoubement. L'épreuve de... Mais tu n'as plus 10 ans, tu sais. Oh, je vous en prie, père. Je me suis entraîné dur pour ça. Bon, très bien. Allons-y. Novembre 1348, mesdames et messieurs. Donc moi, mon premier contact visuel avec ce jeu, on voit quand même que nous faisons un bond dans cette technologie avec cette Microsoft Xbox Series X. Regardez ça, regardez ça. Regardez-moi ça. C'est la première fois que je vois ça dans un jeu. Alors je suis pas un expert, je suis pas un technicien, moi je fais pas dans le technique. Je laisse ça aux autres, ceux qui savent faire. Mais alors ça... Regardez. Est-ce que c'est ça ce qu'on appelle ce fameux 60 FPS? On dirait un mode photographie, je sais pas comment dire. Ou d'une application, vous savez, sur internet... pour cartographier géographiquement, un peu comme Google Earth. Enfin, j'ai vraiment l'impression de voir à 360 degrés. De cet effet panoramique sur une carte. Enfin, je sais pas trop comment vous dire, mais c'est saisissant. C'est saisissant cet effet. Cette précision, ce détail, enfin, je pense que ils ont atteint encore un pic jusqu'à l'heure qui n'avait pas encore été développé, hein, au niveau rendu visuel. Hein. Enfin, c'est un truc de ouf. Hein. Mademoiselle est pudique, c'est-à-dire que quand on tourne autour d'elle, lorsque l'on fixe la caméra sur son visage, elle tourne le regard. Sa tenue est pareil, est d'un rendu très plaisant, très satisfaisant. Le personnage, que dire sur le personnage si ce n'est que dans sa situation et sa représentation 3D, bah c'est pareil, c'est d'une... C'est d'une finesse, c'est d'une fluidité, enfin c'est d'une... C'est waouh. C'est... Puis alors ces jeux d'ombre et de lumière dans ce sous-bois là, ainsi que les feuillages qui tapissent le sol. Alors, chose que j'ai notée, regardez. Dans cette technologie, est-ce que nous avons vraiment progressé? Voilà, c'est parce que telle est la question, moi, de ma modeste perception et vision du jeu. Regardez. Donc là, regardez, on est content. On est content, pas à 100%, mais on est content quand même. Il y a de la physique et les branches s'écartent lors du passage de la jeune demoiselle. On est d'accord. En revanche, regardez. Bon. Là, il y a un tronc d'arbre. C'est d'accord. Très bien. Et elle est bloquée par tronc d'arbre. Ça, c'est bien. Voilà. Ici... Bon, elle enjambe. Là, j'ai vu qu'on pouvait, lors d'obstacles comme ça, à la rigueur, voilà, il y a un témoin qui s'affiche, original. Bon, une petite interaction physique sympa, sympathique. Voilà, nous allons aborder le premier gros point, le premier point noir du jeu. Voilà. Nous sommes sur les consoles next-gen, les dernières, Xbox Series X. Qu'importe le jeu, qu'importe la nature, qu'importe ce que veulent faire les créateurs, tout ça. Mais putain, arrêtez. Il faut cesser avec ces murs invisibles. Il faut cesser avec ces murs invisibles, s'il vous plaît, monsieur les développeurs. C'est plus possible, ça. C'est plus possible. On voit bel et bien qu'on peut y aller derrière, là.
Je veux aller voir ce qu'il y a derrière ce muret en ruine, aller toucher l'arbre, aller voir les buissons. On a le visuel qui est là, à 2,50 m, 3 m devant nous. Mur invisible, on ne peut pas y aller. Voilà, premier point noir, dès le début. Regardez, Lyon, le fauve de Guyane est pressé d'en découdre. Alors, ils ont fait aussi de sorte un peu comme vous, en somme, que quand on se déplace avec le personnage, on ne peut pas tourner en main. Enfin, on peut tourner, bien sûr, si, avec l'analogique droit autour du personnage. Par contre, quand elle avance, on peut pas mettre la caméra devant elle. Vous voyez, à chaque fois, le personnage doit tourner le dos. Alors bon, vue subjectif, on apprécie ça de plus en plus. Efficace dans l'expérience de jeu, que ce soit dans les jeux d'action ou les TPS, shoot à la première personne, ou même là en l'occurrence bah, dans ça. Personnage légèrement décentré sur la gauche de l'écran, avec la caméra épaule droite. Ça fonctionne toujours très bien. En revanche, vous allez voir. Vas-y mon chien, tu vas trouver une proie. Je crois en toi. Ah, ne rêve pas trop. Allez, avançons. L'ambiance y est, au niveau de la faune et la flore, très jolie. Voilà, mur invisible. Déception, grosse déception, alors que là elle peut marcher encore pendant 2 mètres devant elle. Hein. Sans qu'il y ait quoi que ce soit de sortir hors de zone. Il n'est pas question de sortir de la zone. Là il est question de voir qu'à 2 mètres 50 je peux y aller et je ne peux pas le faire. Les fougères sont très bien représentées aussi. Voilà. Donc là, je vais aborder le second point noir. Gros clipping. Grosse présence de clipping. Je suis désolé. Pourquoi à certains endroits au sol, il y a de la physique, et là, un petit arbuste, il n'y en a pas. Le personnage traverse totalement le feuillage. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Alors la physique, oui, mais pas partout. Voilà, vous voyez? Regardez. Voilà. Bon, il y a un effet où le buisson remue un peu quand même. Mais le branchage et le feuillage traversent totalement la demoiselle. Enfin, moi, je suis personne, moi. Je suis pas ingénieur, je suis rien du tout. Qui je suis, moi, pour critiquer? Mais je suis un consommateur, je suis un joueur de jeux vidéo depuis 30 ans. Moi, j'aimerais maintenant ne plus le voir, ça. Qu'un jeu qui vaut 60-70 euros, et qui se justifie sous tous ses aspects, quoi, sous toutes ses formes. Voilà. Là, c'est présent. Là, c'est présent, quoi qu'il y ait du clipping également. Bah oui. Elle pourrait, avec ses bras, écarter les branches pour éviter d'avoir les feuilles sur le visage, ou enfin, voilà, je sais pas. Voilà, c'est sur Lucie que c'est flagrant. Ici, c'est d'une flagrance, mais alors, voilà. Parce que là, en plus, c'est éclairé par le soleil. Donc là, voilà, regardez. Elle fait qu'un avec l'arbre, là. Voilà. Elle est transpercée par la branche. Triste. Bon, enfin. Voilà, c'est ce que j'ai constaté hier soir pendant mon test. Tiens, le bandeau de ta mère est encore là. Sinon... C'est ici que je lui ai fait la cour, tu sais. Oui, père, je sais. Si seulement elle pouvait venir avec nous. Alors, son visage, quand elle parle, les lèvres remuent, ça bouge. C'est très expressif. Ça, c'est au rendez-vous. Et puis, ce qui est au rendez-vous, oui, bah regardez, c'est ce qu'on a sous les yeux. C'est le rendu visuel est là. Le réalisme est assez saisissant. Bon, un papillon, normalement, quand tu t'approches de lui, il s'en va. Hein. Il reste pas autour de toi.
comme les trois qu'on est en train de voir ici. Hein. Et puis ils font exactement le même vol stationnaire, j'ai envie de dire. Regrettable aussi. Mais sinon, cette première approche, quand même, c'est. Oui, c'est. Ça décoiffe, quoi. C'est. J'ai l'impression d'être dans le. Dans le bois de. D'à côté de chez moi, là. Ouais. Ça, par contre. Ah, j'ai pas vu ça. Il y a une écharpe accrochée au tronc d'arbre, là. Ou une ceinture, ou un morceau d'étoffe, du moins. Qui est-ce qui a mis celle-là? Regardez les frondaisons, regardez. La variance de couleurs d'automne et des arbres qui sont encore verts, en fait. Ça, je dirais que c'est un boulot. Parce que l'écorce est grise blanche. Chacun a ses obligations, monsieur. Tu sais, dans une famille. Hey, j'essaie de parler. Quelle autorité, chevalier de rune. Allez, vas-y. Et rapporte quelque chose, pour une fois. Bien. Je disais, chacun a ses obligations. Je dois m'occuper de ces terres. Ta mère doit soigner ton frère. Et toi... Et moi, je ne vous vois plus. Et mère, encore moins. Écoute, c'est pour toi que nous sommes ici. Alors, suis-moi, ma fille. Quoi ? Tu as ta fronde, j'espère. Bien sûr. Vous avez vu les champignons au sol également ? Alors, nous sommes en France. Le royaume de France, cette fameuse période de l'histoire où il y avait la peste noire. Original comme idée. Alicia de Rune n'a peur de rien. Quelque part, je me dis que les développeurs ont pris des risques quand même d'aborder ce sujet parce que. Il prouvera ta valeur. Chevalier, quels sont les termes de l'épreuve ? Les pommes sacrées de l'arbre sacré ont été corrompues par un grand mal. Je compte jusqu'à 10. Si tu détruis 6 de ces pommes pourries avant la fin, je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prêt. Oui, je disais qu'ils je trouve qu'ils ont pris des risques parce que c'est pas forcément un sujet qui peut-être que j'ai n'importe quoi aussi qui intéresse les nouvelles générations. Mais en tout cas, pour un vieux briscard comme moi, moi j'apprécie parce que les studios qui abordent des thématiques historiques dans leurs jeux vidéo, moi je trouve que c'est un gros point fort. Au même titre, par exemple, qu'Ubisoft. Parce que d'une part, ça nous permet effectivement d'apprendre et de se cultiver par rapport à ce qui s'est passé, d'avoir une idée, ou du moins un ordre des choses. Et puis, en plus, de le découvrir d'une manière vidéoludique. Moi, je trouve que c'est vraiment une approche très intéressante. Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien, reviens. Place-toi derrière ce tronc. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Ce tronc, donc les... Ah oui, les... Alors j'avais réussi qu'à en shooter que 3 ou 4 hier soir. C'était pas terrible, 3 je crois. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ma fille. 6. 8. Et c'est ainsi qu'Amicia devint chevaleresse. 9. Et 10. Eh bien, je suis impressionné. Mais ta fronde fait un bruit de tous les diables. C'est vous qui me l'avez offerte, vous vous souvenez ? Ah oui.
J'avais oublié. Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Il a dû flairer un lapin. Venez, vite! Pars devant, je te rejoins. Je n'ai plus les jambes de mes 20 ans. Suivre Lion. Donc le chien s'appelle Lion. Qu'est-ce que tu fais, le chien? T'as trouvé quelque chose? Ça m'a fait exactement hier pendant le test. Le chien reste ici et bloque là. On dirait un Saint-Hubert. C'est pas tout à fait un Saint-Hubert. Les Saint-Hubert sont pas comme, exactement comme ça. Et ça reste un chien de chasse quand même. Le toutou, oui, bah, t'aboies. Bon, là par contre, c'est pas très bien fait. On sait pas pourquoi il bloque là. Quand il aboie pas puisqu'il creuse au sol. Donc je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire par là. Voyez le petit ruisseau là, moi je voudrais le remonter là. Je voudrais aller là-bas. Eh bien je peux pas. Voilà. On est toujours limité dans nos déplacements, quoi. Alors Serge, j'en conviens. C'est pas un monde ouvert, mais bon. Lion ! Mais où il est ? Bah t'es passé devant, Mistinguette. Alors bon. Tu es là. Où? Où est-il? Elle a tourné le visage sur la gauche et elle a dit tu es là. Et il est pas du tout là. Bon. Quelques petites constatations au début comme ça, c'est pas totalement cohérent. C'est un peu dommage. L'arrivée sur la place dans un jeu. Que ça soit un film ou un livre, très important l'immersion dès le départ. Donc quand il y a quelques petites incohérences comme ça, c'est dommage, c'est dommage quand même. Vous avez vu les rayons du soleil qui passent là, au travers des buissons? C'est super bien refait, ça. Et les particules de poussière qui sont en suspens dans les airs. Ça, bravo. C'est vrai que là, de ce côté-là, niveau moteur, on voit qu'il y a des progrès. Hein. Qu'il y a un énorme développement. Oh là là, un sanglier! Bravo mon chien. Amicia. Mais oui, il a trouvé quelque chose. Chut. Venez voir, un sanglier. C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher. Mais tu dois t'approcher de lui. Ses herbes te cacheront si tu restes baissé. Elle me rappelle quelque chose, la voix du gars là. La voix du mec, c'est la voix d'un acteur. Je crois. J'arrive pas à retrouver de qui il s'agit. Il boit. C'est le moment. Il va me voir là. C'est le moment.
tir plus discret. Tu dois toucher sa tête. Sa tête ? L'héritage d'Esderune. Tiré sur la tête du marcassin. Oui. Moi, je veux bien tirer sur la tête du marcassin, mais bon, pourquoi faire ça? Il nous a rien fait. Où est-ce qu'il est allé? Alors pour le moment, au niveau, niveau gameplay, au début du jeu, on a quasiment rien. Donc Y, on ramasse des pierres. Après, avec les touches, j'arrive pas à bien voir à chaque fois, parce que la manette, elle est noire. Les touches RB, LB, LT et RT, à part RB, on peut rien faire, on peut pas faire grand chose. RB, apparemment, ça nous permet d'accéder justement au menu où les pierres sont stockées. Donc ça doit être l'inventaire, la poche de la tenue de la demoiselle. Les croix directionnelles ne font rien du tout. On ne joue qu'avec les joysticks gauche et droite analogiques. Hein. Donc pour le déplacement du personnage ou pour le mouvement de caméra autour. Voilà. Ce stade du jeu, au début, c'est uniquement ça. Doucement, c'est sa tête que tu dois viser. Je fais de mon mieux. Je veux ce festin. Je sais, ma fille. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Te voilà. Utilise les hautes herbes. Reste baissé. Oui. Je vais essayer. Par contre, elle peut pas tirer avec sa fronde en restant accroupie, quoi. Faut qu'elle se lève, à chaque fois. Ah oui, mais il faut toucher la tête. Et oui, c'était ça. Il va me voir là, non ? Est-ce que la fin te rend toujours aussi précise ? On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non. Allez, lion, ne le lâche pas. Je vous le promets, ce soir nous dînerons comme des rois. Ça, je n'en doute aucunement. Ne le lâche pas, lion. Retiens-le, et tu auras un beau morceau rien que pour toi. Oh non, je vais m'enfoncer là-dedans. Oui, il marécage là, attention. Donc là, pas monter sur les rochers comme ça. Regardez comme la flore, elle est garnie, elle est riche aussi. Vous savez, sur certains troncs comme ça, ils sont circoncis de lierre. En plus de la variété des espèces et des teintes. Le sanglier, il perd du sang. Le sanglier perd du sang ? Comment ça ? Le marcassin ? Avec la pierre. C'est toi qui as fait ça avec ta pierre, mais dis donc. Efficace, hein. Lion, tu nous fais peur. Reviens, le chien, reviens. Il n'aboie plus.
Il a dû le trouver. Aïe, aïe, aïe. Il s'est passé quelque chose, là. Elle va s'embourber, là. Non ? C'est pas bonne idée, là. Si ? Alors, attends. Là, elle peut pas monter. Est-ce qu'elle peut monter, là ? Non plus. Ah, la souche, elle est super bien faite, hein. Dis donc, la modélisation de la souche, là. La vache. Faut pas s'accroupir encore ? Ah si, ouais, c'est, voilà. Ah, ah, si. On peut maintenant, au fur et à mesure qu'on a débloqué les... les interactions, on peut maintenant désormais les appliquer. Donc la touche start, c'est la touche 3 traits, vous savez là, tac, ici. C'est le jeu qui se met en pause en fait. Voilà. Et vous avez donc vous avez un mode photo. Ça c'est génial. Si vous voulez prendre de belles photos avec des contrastes, profondeur de champ et tout. Couleur oui ou non. Couleur noir et blanc. C'est top ça. En réinitialisant les paramètres que vous changez. Afficher, sortir. Et voilà. Et le zoom bien sûr. Alors regardez cette souche. Regardez. Regardons cette souche. L'inclinaison, ah ouais, l'inclinaison. Ah ouais, l'inclinaison, dis donc. Regardez les feuilles. Le mode photo est balèze quand même. Hein. On peut quand même s'éloigner assez assez loin du personnage. Hein. Regardez ça. C'est génial ça. On peut monter jusqu'à quelle hauteur? Voilà, cette hauteur là. Ok. C'est pas mal quand même. Ah, on peut aller même bien plus loin que ça. Ah ouais, dis donc. C'est sympa ça. On va prendre une photo de d'Alicia. Hein, c'est ça, c'est Alicia, c'est comme ça que c'est son prénom, non? Et on peut incliner comme ça. Non mais excellent. Chouette. Hein. Prendre la photo, c'est quoi? Et naviguer. J'imagine que c'est A. Afficher Y. Ah mais on peut pas prendre de photos en fait, c'est juste ah d'accord, on peut pas je peux pas enregistrer l'image là, si? Afficher ou cacher UI, image. D'accord. Oh, pourquoi on peut pas prendre de photos? Je voulais prendre une photo, moi. Bon. Option. Donc là, voilà, vous avez le contrôle de la manette ici. Vous avez seulement que deux réglages. Hein. Donc on pourra s'accroupir avec le X, interagir et prendre. Le sprint, apparemment, ça serait la touche RT. La touche RB. C'est
C'est le menu de sélection des munitions, voilà. La touche A, ça sera pour grimper. Le B, ça sera pour esquiver et se diriger et lâcher. Il y a écrit camp maintenu. Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Qu'est-ce qu'on tiendra dans les mains? Je sais. Ajuster la caméra, donc le joystick analogique droit. Déplacement joystick analogique gauche. La visée avec la fronde pour ce qui est de LT. Et le LB, c'est visée pour lancer à la main. Et apparemment, il y aura pareil du dosage à maintenir. Voilà. Menu fabrication pour le petit bouton avec les deux écrans. Et le menu pause pour la petite touche avec les trois traits dessus. Alors, nouveauté qu'il y a sur Xbox Series X, donc c'est ce troisième bouton qui est entre les deux que je viens de vous citer. C'est-à-dire menu de fabrication et la pause, où il y a une espèce de flèche qui monte vers le haut. Donc c'est ça pour prendre les photos, je crois. Je crois que c'est ou pour filmer. Vous pouvez filmer des extraits de vidéos, vous pouvez les mettre sur votre support Xbox en fait. Je crois que c'est ça. Donc là, le mode caméra. Donc vous avez plusieurs langages bien sûr du jeu. On peut afficher les sous-titres si on veut ou non. Et afficher les noms des personnages. Ah, on peut afficher les noms, dis donc. Marrant ça. Le graphisme avec des aberrations chromatiques normales ou basses. L'audio, le jeu. C'est quand même bien. Hein. Alors là, par contre, je crois qu'il va falloir trouver un. Parce que là, elle va tomber dans le. Elle va s'enliser là, non? Et apparemment, il n'y a rien d'autre. Hein. Oh, des choses toutes neuves. Ah, bah écoute. Je vais en entendre parler. Elles étaient neuves, les choses. Ça fait flipper là. On se croirait dans une forêt de Tim Burton. Mais c'est le sanglier. Pourquoi il est. Léon n'a pas pu faire ça. What? Léon! Viens mon chien! Léon! Par contre, ils ont reproduit. Ils ont reproduit la même souche d'arbre? Non, ne me dis pas ça. Là, effectivement, il y a des arbres qui se sont déracinés et qui sont tombés. Hein. Le chien est blessé. Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... En train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. Amicia,
C'était un bon chien. T'en es où des rivets pour renforcer la porte? J'ai pas pu les faire encore. T'es au courant que les troupes anglaises arrivent? Là. Enfin, moi j'adore cet effet là. J'adore cet effet visuel, hein. Je suis désolé. Regardez ça. C'est très réaliste, hein, ça. Hein. Vous êtes déjà amusé à tourner comme ça autour de vous-même, à une certaine vitesse, à une certaine allure? Franchement, ça ressemble à ça quand même. Bonjour, mademoiselle Amicia. Va falloir patienter pour les nouveaux rivets. Au fait, des nouvelles du bourg? Les gens sont nerveux. Il y en a qui ont été mordus dans la nuit. Un coup des Anglais, ça. Mais pourquoi les Anglais, ils mordraient des gens? Bah, je sais pas, moi, pour nous saper le moral. Pleine lumière, c'est beau quand même. Ouais, franchement, ouais. C'est un instant Kodak. Ouais. Donc là, il y a un forgeron. Là, il y a l'écurie. Mademoiselle Amicia, déjà de retour? Théo, il y a une urgence. Réunis les autres et allez voir mon père dès que vous pouvez, c'est très pressé. D'accord. Au fait, j'ai installé les cibles derrière les tables pour vous entraîner à la fronde. Oh, bien, merci. Le palefrenier. Ok. Attends, est-ce qu'on trouve des trucs? On peut pas la prendre, la pelle. Ah, oh, c'est une ruche, il y a des abeilles ici. D'accord, c'est des ruches. Ça alors, ça va? Elles sont bien faites ou pas? On les voit pas bien. Ah oui, si, oh, on les voit nettement quand même. Hein. Dis donc. Regardez-moi ça. Elles nous attaquent pas, on a de la chance.
le fumier. Ah, il en a sur la pelle, hein, regardez. Ah ouais, il vient le mettre là, d'accord. Bah, dis donc, t'en as pour diplôme, hein, si tu fais comme ça. T'es là, toi. Je t'ai cherché partout. Pour plus d'informations, on a ramassé un sifflet. Cadeau. Sifflet en terre cuite offert par son père à Amicia. Amicia s'appelle. Pas Alicia, mais Amicia. Pour sa première chasse. Utilisé par nos lointains ancêtres comme instrument et jouet, les sifflets permettaient entre autres de synchroniser les actions de groupes d'hommes lors des chasses, mais aussi des armées en temps de guerre. Codex. D'accord. C'est quoi qu'il y a dans ces caisses là? Il y a des résidus de je ne sais quoi. Il y a une toile accrochée au mur. Deux. Il y en a deux, ouais. On dirait de la toile de jute. Là, il y a pour sertir les tonneaux. Des poutres. Des bastins de bois, une hache. On peut pas prendre la hache, là. Non, on s'est pas révélé encore guerrière à ce niveau-là. Ça va pas tarder, vous allez voir. Bon, il faut mémoriser qu'il y a une hache ici, hein, en haut de l'écurie. Au cas où on a besoin d'une arme, on pourra venir la récupérer pour se défendre. Et beau le cheval. Fait quand même, hein. Disons. On est au 14e siècle. 1348, c'est ça? 1348, novembre 1348, Royaume de France. C'est encore le Moyen-Âge? C'est la fin du Moyen-Âge, là, non? Qu'ils font eux. Ah attendez, c'est des corps de un corps de métier, ça c'est. Ah ben regarde, il y a un rabot, c'est des menuisiers. C'est un rabot de menuisier ça. D'accord. Oui. Charpentier, menuisier, ébénisterie peut-être de l'époque. Le stock de bois. Les peaux dont Théo m'a parlé. J'ai encore ma fronde. J'entends rien ce qu'elle dit. Le son de la télé, il est quand même. Je l'ai mis sur 6. Bon, là, il est sur 6. Il était sur 5. Bon. Mais il faudrait pas qu'il y ait l'écho avec le casque. C'est ça que j'appréhende à chaque fois quand je découvre un nouveau jeu. Parce que les configurations
deux sons dans l'OBS ne sont jamais pareils d'un jeu à l'autre. Là, j'ai carrément augmenté du double dans le mixeur audio concernant Plague Tale Innocence par rapport à FF7 HD, par exemple, vous voyez. FF7 était programmé à 30 décibels, moins 30 décibels. Là, nous sommes à du moins 15 décibels pour celui-ci, quoi. Soit une double augmentation du son, quoi. Et encore, même ça, je trouve que c'est bas. Après, je sais pas, faudra voir le rendu lors du replay, mais... N'hésitez pas à dire en commentaire au niveau de la capture comment ça se passe, si on entend bien le son, si c'est bien réglé. Toujours dans ce souci de fournir le le plus optimisé possible, quoi. Il y a des petites poteries. Ah, attendez, mais... Ah oui, non, mais c'est les pierres, mais je les ai ramassées. Les pierres, on peut pas en prendre plus de 6. Hein. Et là, il est en train de mettre les tas de fumier ici. D'accord. Ah, oh, c'est beau, hein. C'est beau quand même, hein. À la Xbox, oui, il peut se targuer. Waouh, l'effet de soleil abrupt sur la peau de la silhouette de Amicia là, sur les cheveux et le visage. Ah ouais, elle a une très belle coupe de cheveux aussi. Mademoiselle Amicia, avez-vous pu... Plus tard, Flora. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Oui, je leur dirai. Bon, vous leur direz, hein. Il se passe quelque chose de bizarre, là, ouais. Le château. Accorde-nous la santé et garde les fléaux loin de notre foyer. C'est quoi comme arbre ça? J'arrive pas à voir si c'est un chêne ou qu'est-ce qu'ils ont fait comme arbre là? Ça serait un chêne, hein. Voyons voir. Je dirais que c'est un kyrsus, ouais, tout à fait. C'est des feuilles de chêne, ça. Hein? C'est un chêne, ça. Hein, c'est un beau chêne, parce que il est vieux, celui-là. Vu la taille du tronc. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Et ça c'est quoi? Je sais pas. Allons voir. Ça c'est un arbuste. Selon la feuille. Une feuille de quoi ça? Reconnaissance des végétaux. Allez, rappelle-toi. Je sais plus. Une feuille oblongue. Comme ça là. Pleine, entière, très jolie, verte. Je sais pas. Sur rue des fleurs, j'aurais peut-être tenté. Les bâtisses en pierre aussi, mais regardez-moi ça. C'est une église ça? C'est une église?
C'est un château, ça? On est dans un domaine, là, mais alors, d'accord. Donc, on est quoi? On est la fille d'un seigneur? Attends. C'est qui le père, là? Ah non, c'est une chapelle. Attends. C'est une chapelle. C'est lui qui priait, là, qui perd la voix basse. Alors, d'accord, pardon. D'accord. Prenez soin de Léon, je vous en prie. Il mérite sa place à vos côtés. Même s'il faisait parfois des bêtises. Adieu, mon chien. L'hôtel. Ouais, l'hôtel de la chapelle. Une étoffe vert. Les bougies. On voit qu'il y a eu un vrai travail de lumière dans ce jeu. J'espère que Mère n'est pas trop occupée. Ça va pas durer ce soleil. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Les gens crèvent de faim. Ah d'accord. On accède à la cour du domaine. En passant par la chapelle, en fait. T'as bien raison. Bah oui, parce que le portail est fermé ici. D'accord. En fait, la chapelle sert de couloir pour séparer la grossièrement, je vais appeler ça la basse-cour de l'autre côté, par là où on vient, au domaine réellement, quoi. D'accord. Là, il y a un puits. Par la chapelle, en fait. La chapelle fait la jonction du mur entre la basse cour et le domaine. Waouh! Et regardez-moi ce domaine. Non mais. On dirait les vieilles fermes que je voyais quand j'étais dans mon enfance, quand je partais en vacances. Putain, c'est beau. La vache. Oh, il y a une noix là. Alors attends, moi les noix je m'en approche pas. Ça c'est des. C'est très mauvais comme animal ça. Les oies. C'est pas très gentil ça. Je m'en méfie un peu. Ah, Gabriel. Mère est encore à l'étage? Oui, elle y a passé la nuit. Le petit a encore fait une crise. Elle risque de pas être de bonne humeur. On trouve rien là avant de se lancer dans l'aventure. Moi je sais pas, mon chien il vient de mourir, un sanglier s'est fait quasiment éplucher dans les bois, c'est un peu chelou ce qui se passe. Je commence à me prémunir moi, non? Joli le pourpre là, super contraste là. Là il y a une planche qui est posée contre le mur. Pourquoi ce détail? C'est curieux. Les pots de fleurs de part et d'autre de l'entrée de la porte. Ouais. Le blason. Alors c'est quoi le blason? On voit pas grand chose hein, du blason, mais j'ai l'impression qu'il y a, en fait il y en a pas quoi. C'est quoi le blason? Il n'y a pas de blason. C'est juste un écu. Avec quatre parties. Ouais. Pas de... Et c'est beau quand même. Ouais. On peut prendre des chouettes photos quand même. Enfin, on peut pas prendre de photos, je crois pas. J'y suis pas arrivé.
Ah ouais. Les herbes. Au pied de l'herbe. Ah ouais, non mais ça... Et les herbes, elles sont belles. Faut voir les fenêtres, ce qui se passe à l'étage. Faut pas monter quand même, c'est dommage ça. Attends. Attends, mais si, si, parce que j'ai pas bien fait. Ah oui, voilà. Voilà. On peut pas voir. Ah si, on peut voir quand même, et où? Attends, Y. Qui c'est qu'il y a dans cette pièce là? Y'a personne? Comment j'ai fait? Ah. J'arrive plus. Ah là, il y a quelqu'un là. Regardez. Ah non, non, c'est une jarre. Une amphore. Et je veux rentrer. Ah ouais, on peut rentrer. Ah ouais. Ah, ils sont là, les blasons. Ok. Ah, mais c'est ce qu'il y a sur la jaquette du jeu. L'arbre symbole avec le soleil au-dessus, la lune en bas, quoi. C'est ça, l'héraldique. Des lances, une armoire. C'est beau, hein. Les peintures murales, vous avez vu? Là, il y a une armure. C'est la maison d'un seigneur, hein. Ah, ou du moins d'un chevalier, quoi. Je dirais même que c'est un seigneur, parce que... Il y a quand même un héraldique, hein. Donc du moment qu'il y a un héraldique, ce n'est pas qu'un simple chevalier, hein. Est-ce que c'est le seigneur... Est-ce que c'est un fief, ici? Ça m'en a tout l'air, en tout cas. Ça, on a tout l'air. Première pièce que tu rentres dans le domaine, il y a quand même des écus au mur. Il y a une armure, il y a des armes, il y a des boucliers. Enfin, à mon avis, c'est pas qu'un simple chevalier, lui. Hein. Il est un vassal, peut-être. Un noble ou je ne sais quoi. Enfin, je dirais une classe reconnue, quoi. Par contre, c'est dommage, en mode photo, on aimerait explorer davantage, on peut pas. Il y a de la paille au sol. Au sol. Qu'est-ce qu'il y a là? Un bac rempli d'eau pour laver le linge. Des panières, du linge plié. Chandelier. Ça, c'était sûrement pour déposer... Les voyageurs ou les invités, quand ils arrivaient, ils devaient déposer leurs armes ici, dans ce coffret peut-être. Ils se mettaient à l'aise, ils déposaient leur armement, leur équipement ici. Pour ensuite aller dans les autres pièces du bâtiment, quoi. Là, il y a un damier sur ce bouclier. Excellent. Et franchement, le mode photo me plaît, les gars. C'est dommage qu'on puisse pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'il y a dans le puits? Vas-y, j'ai pas bien regardé le puits. On peut pas voir dans le puits. On peut aller dans le puits? Moi, je veux aller dans le puits, moi. Non? Pas. C'est boueux. Ah ouais. Eh. C'est de l'eau ça ou c'est de la boue? À mon avis, il commence à y avoir à se passer des choses. J'ai l'impression. Hein. Oh là là, ça fait 1h10 que j'ai fait, j'ai pas avancé un poil dans le jeu, quoi. Saisi par le mode photo.
dans cette découverte. Pourquoi pas? C'est bien les modes photo aussi. Pour ouvrir la porte. Bon, on va y aller. Oui, on y va, on y va. Il reste 50 minutes. Ah, tu fermes la porte carrément. Bon, d'accord. Pourquoi? Prends des armes, prends un fléau, une masse, je sais pas moi. C'est joli ça. Hein, regardez ce meuble là, il est magnifique. Hein, qu'est-ce que c'est ces deux portes? Il y a des serrures, des loquets et une barre. Au village, tu sais, les gens qui ont été mordus, il y a des enfants aussi, t'imagines? À chaque fois, c'est arrivé la nuit. La famine, les Anglais à nos portes, et maintenant des vampires. Oh, nous avons beaucoup péché pour être ainsi punis. Oh, mademoiselle Amicia, bonjour. Je ne vous avais pas vue. Oui, bonjour, mademoiselle. Bonjour. C'est cuisine ici. Enfin, c'est le salon où ils mangent. Regardez-moi ces énormes cheminées. Alors ça par contre, ça m'a toujours impressionné moi ça. Les effets lumineux de l'âtre. Non mais waouh. C'est super, hein. Oui, bah oui, et oui, oui, c'est super. Xbox Series X, voilà, quoi. C'est beau, quoi. Et forcément, forcément. Il y a de la paille au sol, hein. Ils mettaient de la paille quand même, hein, sur le sol, hein. Sur le sol de dalle. Rempli de pommes. Panier en osier, de poire, du pain, des cruches. Des oignons, des gousses, ouais, c'est des gousses ça ou des... C'est des gousses hein. Il n'y avait pas de pommes de terre hein, au Moyen-Âge. Les pommes de terre ont été découvertes bien plus tard. Hein. Si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Il n'y avait pas de pommes de terre encore, non. Elles ont été découvertes bien plus tard, les pommes de terre. Ça doit être des gousses, ça. Enfin, gousses, oignons, ail, peut-être, je ne sais pas où. Ou autre chose. Faut trouver les parents, c'est ça. Moi, j'explore. Oui, il y a une échelle. Le palefrenier dehors a dit qu'il y avait quelque chose en haut de l'échelle intérieure du domaine, non? J'ai trouvé le sifflet déjà. Est-ce qu'il faut autre chose? Là, il y a des caisses. Oui, attends, il y a quelque chose là. Wow. De la cannelle. J'avais presque oublié ce que ça sentait. Ils ont bien fait de la cacher. Père serait capable d'en mettre dans tous ses plats. Ils ont bien fait de la cacher. Des épices, de la cannelle. Elle en a pris alors? On ne peut pas excéder. Il y a quelqu'un qui s'est quand même embêté pour monter ces caisses là-haut. Hein. Avec une échelle en bois comme ça, rudimentaire. Je te dis pas le... Ça va pas être évident.
l'odeur de tes plats me réchauffe le cœur. Oh, ce n'est pas grand-chose, mais je pense que vous allez aimer. J'en suis certaine, oui. La cuisine, c'est ça la cuisine. Regardez, regardez comment étaient les cuisines au 14e siècle. L'odeur de tes plats. Oui, et du coup, c'est le cellier là, c'est le garde-manger du domaine, quoi. Et là, c'est la pièce où on prend les repas. Et pourtant, il y a la présence d'armoires, de bibliothèques avec des livres et tout. Il y a des rouleaux de parchemin également. Donc là après ça sera les pièces à vivre là. Ouais. On va monter à l'étage, donc il va certainement avoir les chambres. Le salon, tout ça. Oui, Dame Béatrice, j'y veillerai. Louise, tu viens de voir ma mère? Tout juste. Vous voulez la voir? C'est important. C'est un ordre de père. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait, j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit. Venez voir, si vous voulez. Ah, merci. Déposer quoi? J'entends rien. Lyon, c'est sombre là. On est dans les combles là, non? Ah oui, sur le lit, c'est ça qu'elle disait. C'est le napperon que mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite. Je l'ai cherché partout. Merci, Louise. Oh, de rien, ma douce. Faites-y attention. Un napperon. Regardez-moi ce lit à baldaquin sur mesure. Magnifique. Un magnifique lit à baldaquin. Hein, carrément. Ah, encore ce style d'armoire. Comme il y a en bas, quand on rentre dans la première pièce, là, la salle des armes. Là, il y a un grimoire sur un coffre. Oh, Lyon, qu'est-ce que je vais faire ici sans toi? Ah, c'était la couche du chien. Il dormait avec elle dans sa chambre. Oh la vache, ah oui. Donc il y avait vraiment un lien fort hein, avec le chien. Le chien dormait là, quoi. Aïe aïe aïe, ah ouais, c'est triste. Constaterai qu'il y a une magnifique cheminée dans la chambre, hein.
quand même. Il y a des cheminées dans toutes les pièces à l'époque. Bon là apparemment on est quand même chez des... on est chez des gens riches là. Une harpe et tout, enfin voilà quoi, ça veut dire des choses quand même tout ça. Des magnifiques tapisseries dans les chambres, enfin voilà, ce genre de choses. Hein. Il y a baldaquin, cheminée somptueuse, enfin bon, ça veut dire des choses quand même. Là, il y a encore un écu à damier au mur là-bas. Ça, c'est magnifique, ça, c'est... Ces tentures comme ça, là. C'est beau, ça. Ça, c'est typique du Moyen-Âge. Hein. Tu dis pas les heures de boulot là-dessus. Ça brodait sévère à l'époque. Hein. Enfin, l'âge. Au sol, il y a du cuir. Donc là, c'est la chambre de quelqu'un d'autre. Ça. Alors là, il y a une chambre. Bon, regardez le coffre, dit. Regardez-moi ce coffre. Putain. Les cheminées, tu peux tenir debout dedans tout seul. Ça doit être la chambre des parents, ça, non? Ou alors, non. Je crois que le seigneur... Bah, ça dépendait. Hein. Normalement, ils dormaient ensemble. Hein, hommes et femmes. Mais là, on dirait que, je dirais que c'est la chambre de l'homme, là. Parce que là-bas, apparemment, la mer... Là, il y a une cithare, regardez. Avec une chaise ici. C'est incroyable. On peut pas s'asseoir. On peut pas s'asseoir. Tapisserie vert et arbre d'or tout autour. Tout autour ou pas? Oui, tout autour, oui. Avec des serres, des bois de serre hein, au-dessus de la cheminée. Ouais. Ça alors. Le coffre au pied du lit. Toujours. Comme il se faisait d'usage à l'époque. Et sous le lit, il y a de la paille. Table de chevet avec livres. Des portes. Moi, c'est portes. Mère, tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais quelque chose a attaqué Lyon dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai, Lyon était là, par terre, puis il a été... Chut, tu vas rester ici avec ton frère. Que ferme la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, mère. Trouver Hugo. Donc elle connaît pas beaucoup son petit frère, c'est quoi cette histoire? Toutes ces potions. Mère, est-ce que vous le guérirez un jour? Il est malade.
Ça fait combien de temps qu'il est ici? 4 ans? 5 ans? Le loquet est ouvert pourtant, non? Où est-il? Hugo? Sa chambre, ça? Eh oui. Il est caché derrière. C'est moi, ta sœur, Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez, avance. Il a parlé. Non, Seigneur Nicolas. Il a tué deux de nos hommes. Où est-il? Pour la dernière fois, où est votre fils? En de bonnes mains. Fouillez l'intérieur. C'est maman? Sur pour rappeler Hugo. Viens ici. Amène-toi, putain, qu'est-ce qui se passe? Je sais que t'es là, gamin. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Reste baissé. Hugo, c'est moi, Gabriel. Viens vite. Hé, hey, toi, viens voir un peu ici. Allons-y. Il est où le gamin, hein? Laissez-le en paix. Ferme-la. Il appartient à la vie. Nous livrer l'enfant. Vous avez perdu. Léa. Voilà de pour grâce. Toi. Je ne sais pas. Ça t'apprendra. Non. Je vous en supplie. Hugo n'est pas là. Et toi, reste ici. Il va. Alors dis-moi. Où est Hugo de Rennes? Ah, ils sont fous. Elle est folle. En même temps, elle a raison de foncer. Amicia, qu'est-ce qui se passe? Maman. Faut trouver ils ont eu de la chance de ne pas se faire voir là. Elle saura quoi faire. Oh mon Dieu, Louise. Et hey, toi, ça t'amuse de me faire courir, hein? Vous. Oh. Pitié. Bon, on se casse. Hein. Ça sert à rien de se dire. Mais il passe. On va avancer. Ne regarde pas. Ben, on se voit. Qui est dans la cuisine, mais comment on va faire? Même si je le savais, je ils ont tout retourné. Putain. C'est une bonne âme. Oh, reste encore des pièces à fouiller. Mais il y a une porte. Ouais, j'avais même pas vu cette porte. Vous allez comme ça. Mes enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez.
Hugo, prends la main de ta sœur. Je vais passer devant. Vous me suivez. D'accord ? Il faut qu'on traverse le jardin. Amicia, prends ton frère par la main et suivez-moi. Allons-y. Oui, bah, faut... oui. Il faut pas le laisser seul, sinon il va paniquer, il attirera les ennemis. D'accord. Bon. Faut garder le petit frère avec nous. Faites attention aux issues. Personne ne sort d'ici vivant. Ils sont partout. Faites-moi confiance. On va passer par l'herbe. Ils ne nous verront pas. Mais pour être silencieux, cachez-vous dans les hautes herbes. Restez amis ici. Voilà, reste là. Surtout, panique pas, Hugo. Tout va bien se passer, d'accord ? C'est qui ? Le jardinier. Il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je le vois pas. Je l'ai perdu ? Fleurs ? Non, elle le tient. Bon, putain. Faire mieux que ça. J'ai eu peur. Je croyais qu'il avait lâché la main. Soutirez-lui tout ce qu'il sait. Non. Pitié. Silence. Avance. C'est quoi ces herbes dans lesquelles on se cache là ? C'est la fausse requête, non ? Non, c'est pas la fausse requête. Faut voir qu'on se fasse voir. On a réussi. Chut, cassez-vous. J'ai toujours travaillé ici. Ils sont comme ma famille. Vous êtes fous parce que s'ils arrivent, comment vous faites pour pas vous faire voir? Allez, c'est dingue. Ah ouais. Après toi. What? Je te laisse réfléchir. Maintenant. Maintenant. Et toi? Crève pas sans m'avoir parlé. Vous êtes... des lâches. C'est abusé, hein. C'est pas okay. Oh, ça c'est pas gentil. Il faut passer. Tu Amicia, sais, aide ton frère. Je vais te porter. D'accord, d'accord. Vas-y. Vas-y. Robert, lentement. Tu viens à courte échelle, hein, sous les bleus, hein, très bien. Oui, ça fait vite. T'es noble. Allez, dis-moi tout ce que tu sais. Un gamin et deux ou trois gueux qui les retardent comme ça. Nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas, ta fronde fait trop de bruit. Je peux lancer à la main. La fronde fait trop de bruit, je peux lancer. Pour une plus grande discrétion, maintenez. Pour lancer des projectiles à la main. Le LB ? Ah. Le LB. D'accord. Il faut luger sur le casque. Viser la réserve d'armure, puis appuyer sur... RT. Ce bruit. Bien. Ça venait de on là-bas. Y va. Ok, d'accord. Ah, ma tête. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a ? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Sauf l'environnement, il lance des projectiles sur les objets métalliques pour détourner l'attention des ennemis. Y'a rien. J'ai pas le bras armé du grand acteur pour rien. On n'a jamais eu meilleur capitaine. Bien. Au moins, il a eu le paix. Si peu, il aura le paix. J'ai entendu le truc. Je reviens. Reste prudent. On ne sait jamais. Rien à signaler. On peut pas y aller, mère. Peut-être que si tu lançais un de ces pots. Vous croyez ? Oui. Le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos. D'accord ? Vous avez ramassé un pot. Maintenez RB pour ouvrir le menu de sélection. RB ? Un sou caché quelque part. Ah oui. Et qu'est-ce que je fais, moi, avec ce pot, moi ? Je lui fracasse sur la tête ? Étourdir un ennemi, toucher à la tête. Peut-être, oui. Ah, voilà. Distrait les ennemis aux alentours. Sélectionner le pot en utilisant. J'aurais dû être bourreau. Il y a toujours du travail et tu restes au chaud. Maintenez LB pour viser et appuyez sur RT pour lancer le pot sur une surface. Les ennemis entourés en blanc entendront le son de l'impact et le plus proche lancera une recherche. C'était quoi ce bruit ? Ok, c'est ça.
Et là, on fonce. C'est quoi ce bruit? Oh non, non, non. Tu calmes. Tiens bien ma main. Verrouillé de l'autre côté. Merde. C'est fermé. Il y a un trou dans le mur. Oui. Hugo, je suis désolée. Je sais que tu as peur, mais en passant par là, tu pourrais nous ouvrir la porte. Tu es le seul à pouvoir le faire. Il y a quoi derrière? Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite. D'accord? D'accord. Hugo peut ramper dans les endroits étroits, appuyer sur O pour lui demander de s'y faufiler. Allez, mon grand. Et on joue pas avec lui là, pendant cette phase là, c'est dommage, ça aurait été bien joué avec lui. Il y a des gens, prends ma main, viens. Et viens Hugo, on y va. Pitié, pitié. On attend. What? Demandez grâce, ne fais pas courir plus vite mon ami. On sait pas ce qu'il y a, c'est ni à gauche ni à droite, ça craint, c'est pas grave. Attendez, j'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je... Ma tête... Il y a mal, c'est terrifié. Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo, tu sais comment il faut faire. Mes yeux... Ma tête... Écoute-moi, respire. Pense aux petits nuages. C'est quoi ce petit sablier en bas à gauche et les personnages, là? Comme ça, doucement. Mère, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller, Hugo. Je crois, oui. Alors, on continue. Courage, mon grand. Prends-lui la main. Tu peux venir, j'arrive. Voilà, viens. Attends. Ok. La mère s'est tirée. Très bien. Appuyer sur pour demander à Hugo et Béatrice de rester sur place. D'accord, donc la mère s'appelle Béatrice. Restez ici. Je sais pas. Attendez mon signal, d'accord? Faites très attention. Attendez mon signal. Hugo, il est dans les... Il est pas planqué Hugo là, il va se revoir. Hein. Oui. La voie est libre, oui. Attendez mon signal, d'accord? Faites très attention. Bon. Faut pas... Ah oui, il faut passer par là. Donc là, il faut faire ça pour qu'il y en a toujours. J'ai pas le droit à l'erreur. Mère et Hugo, lancez le pot pour distraire l'ennemi et donner à Hugo et Béatrice le temps de vous rejoindre. Faut le jeter où ça? Je dois les prévenir maintenant. Faut que j'aille voir ce que c'était. Venez, on arrive. Maniez-vous. Allez, allez, vite. Bravo. Putain, on est passé. Rien. Par ici. La porte du jardin. On va pouvoir sortir d'ici. Il reste un garde. L'épouvantail. Je m'entraînais au tir dessus. Mais il se rapprochera de nous. Oui, mais on attendra qu'il reparte. D'accord. Je m'en occupe.
suivons. Par ici, venez. Par ici. Suivez-moi. Le forgeron. Mon chéri, va vite te cacher. Chez Laurentius. Le docteur ? Oui. Il m'a aidé à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais. Et vous alors ? Vous devez. Tu n'as pas venir besoin avec de vous. Moi, Alicia. Tu es. Si, j'ai besoin de. J'ai besoin de vous. Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Elle est passée au fil du rave. Oh putain, ça va. On va se faire shooter là. Le gosse. Attends. On se retourne pas, on se retourne pas, on fonce. Campez-vous dans la rivière. Ah. Bien joué. Ayons. Ça sauvegarde à chaque fois. Le village doit être tout près. Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius. Hugo ? Hugo ? Maman va me gronder. Quand elle va voir que je suis tout mouillé. Eh ben. On lui dira pas quand on la verra, d'accord? Allez, viens, on doit d'abord se sécher. Trouver de l'aide. Les étrangers. Ok. Ah oui, ils sont mouillés, Alicia, on voit. Pourquoi ils veulent nous attraper? Je sais pas. Je peux pas y penser maintenant. On dira à Laurentius qui nous amène voir papa et maman? Oui. On fera ça. Faudrait vous sécher, du moins Hugo, non? On arrive à... Oh, mais il y a une cité, là. Où sont passés les gens? C'est un peu moisi, tout ça, les gars. Oui. Ok. Bon. Il n'y a personne, mais c'est...
policière, moi je serais toi, je prendrais une hache et tout, je commencerais à m'équiper. Hein. Je veux pas dire, mais... Non. Il y a des chevaux là. Ils sont vraiment très grands, ils vont rien te faire. C'est quoi ces bruits? Ils sont malades? Ils se dégagent les nazis. Allez, on doit y aller. Ok. Bon, c'est pas là. Ah, des pommes. Hugo, c'est pas le moment. Mais ne touche pas. Attends, tout est pourri. Elles sont moisies. J'ai faim. Comment tu peux penser à manger? Faut trouver des vêtements secs et propres, non? Ça serait bien, ça. Je vois de la fumée. Il doit y avoir du monde. La boue, sympa au sol aussi, hein. On voit bien qu'il a plu, hein, pas très longtemps. C'est, il y a un effet d'humidité qui est assez visible. Et on peut ouvrir aucune porte, hein. Censé chercher de l'aide, vous êtes censé taper aux portes, non? Enfin, je sais pas moi. Là, il y a une grille. Pour ouvrir la grille, bon, elle est peut-être enchaînée. Là, il y a une autre porte, on peut pas ni frapper ni ouvrir. C'est curieux. S'il vous plaît, attendez, madame. Ah, ils sont bons. What? Elles ont eu peur. What? S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid. Ils veulent pas aider les gosses? C'est très gentil, ça. Il y a quelqu'un? Je suis avec mon petit frère. Il y a eu une attaque au domaine de Rune. Aidez-nous, par pitié. On est mouillés et on apprend. Où est le garçon? Oui. Toi, tu me lâches pas, là. Tu me lâches pas la main, comme ça, Hugo. Tu restes là. Il y a quelqu'un? Nous avons besoin d'aide. Personne ne veut nous ouvrir. Qu'est-ce qu'ils ont tous? C'est la peste qui a commencé à faire des ravages. Oh là là. Ouais. C'est pas vrai. Ils se cachent. Vous avez vu quelqu'un là? J'ai vu personne moi. Il faut aller directement au château de cette cité, je pense, non? Enfin, je sais même pas s'il y a un château, il m'a semblé voir une. Regarde, des dessins sur les portes. Reviens. Non mais, oh, toi tu lâches pas la main comme ça, mais il est fou. Ne touche à rien. Ah, ils ont pas le droit de sortir. C'est plus grave que ça, ça veut dire qu'on peut attraper leur maladie. Alors arrête de courir partout. Oui, pardon. Voilà, c'est bien. Engueule-le un peu. Là. Il y a eu un feu. Ils ont brûlé tous les meubles.
Donc il y a, oui, il y a une marque blanche en effet. Est-ce que ça, apparemment, Amicia est au courant de ce que ça signifie. Donc on va faire ce qu'elle a dit, on va éviter de s'approcher ou de toucher quoi que ce soit. Oh mais là on est dans la partie justement où la peste a été atteinte. Oh là là, mais ça craint, il faut se barrer d'ici, faut pas rester là. Eh mais alors si on est obligé de traverser ce coin là, moi aussi je sais pas. Le village est contaminé. C'est pour ça qu'il se cache. Comment on sauvegarde dans ce jeu? Ça sauvegarde tout seul ou... Parce qu'on est bientôt rendu à la fin de l'enregistrement. Non? Oh, ça sent la viande grillée. C'est une fête? Ça ressemble pas à une fête. Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi? Non! Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait sortir, hein? Cette sale vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mais vous êtes tombé sur Conrad Malfort. Et je vous le dis, c'est le dernier village que vous infectez. Amicia! Viens vite! What? On va passer notre temps à courir dans ce jeu, à éviter des foules complètement dingues. Oh putain, vite, fuyons. Il faut qu'on se cache, Amicia. Ici, à l'intérieur, vite. D'accord. Si vous voulez. C'est calme ici. Il va nous voir. Ne bouge pas. J'ai plus qu'à. Attends, il se pointe. Je pourrais... C'est quoi ce machin? Merde. Hé, hey, vous! Venez voir par ici! Chut, chut. C'est bon. On y est. On l'a bien eu. Voilà. Ah! Pas par là! Où est-ce qu'on va? Hugo, cours aussi vite que tu peux! Il faut aller où? Oh, le stress! Vite, cassez-vous! Oh, on n'aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. C'est quoi ça? On va la pousser. D'accord. Si j'ai poussé. Comment on fait? Attends, je sais pas. Va pousser, d'accord, pas de bruit. Ah. Ah d'accord, oui, faut bien le faire, quoi. Ça ira comme ça? Faut bien le mettre ou... Voilà. Comme ça. Bon. Ok, si vous voulez... Et du coup... Attends, faut peut-être qu'elle se lève. Ah non, attends, il faut qu'elle... Faut mettre le truc ici. Et oui, je pense que c'est plutôt ça, ouais. On va déplacer ça. J'arrive. Et oui. Voilà, faut le pousser là-bas. Parce qu'il faut monter là.
dessus maintenant. Et où? Bon là on est plein apparemment. Il faut aller là. Ok, donc là il faut tirer quelque chose. Ok. La tâche a l'air fragile. Vous pouvez briser les chaînes en tirant avec votre front sur l'anneau. Bah dis donc, balèze. Mais ça va faire du bruit, non? T'as une meilleure idée peut-être? Aide-moi à pousser. Oui. Viens, je vais te faire monter. On est sorti. On va partir d'ici alors. Si on ne retrouve pas d'ici là. Mais t'as la fronde, tu peux nous protéger. C'est pas si facile, Hugo. Oh. Ouais, c'est pas si simple. Mais d'accord. Bon ben dans une minute c'est fini. Est-ce qu'on peut enregistrer? Attendre. Non, vite, vite. Ça faut qu'on se casse. L'échelle, vas-y, grimpe, passe devant. Elle a pas l'air solide, Amicia. Si tu veux. On n'a pas le temps, ils arrivent. Elle va casser. Merde, oh, non. Je te l'avais dit. C'est pas grave, on se retrouve de l'autre côté. Où est-ce que tu vas? Me laisse pas ici. Amicia, viens, sur le côté. Oh, tu es là. J'ai trouvé ça pour que tu montes. Bonne idée. Je vais la faire tomber. Vous trouvez quoi? Fais attention. Une corde? Vas-y. Il a poussé, bien joué. J'ai eu peur. Je suis désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Non, on peut pas. Pas sans Laurentius. Eh bien. Bon, par contre, on va être obligé d'arrêter là, les gens. Puisque nous sommes rendus. Est-ce que je peux sauvegarder? Ça sauvegarde tout seul, j'espère. Parce que visiblement, on ne peut pas sauvegarder manuellement. Hein. Dernier point de passage, option, menu principal. Il semblerait que je ne puisse pas le faire, donc je pense qu'il doit y avoir des sauvegardes auto. Ok, curiosité, épices, napperon. Bon, ben voilà pour ce premier aperçu de ce nouveau let's play. J'espère que l'idée de ce jeu vous enchante, comme moi c'est le cas. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure, de cette découverte. Bonne journée à vous, bon jeu, prenez soin de vous, et à très vite, on se retrouve très vite. Ciao ciao tout le monde.